Bonjour. Aujourd'hui, même aux noisettes. Ah, vous faites griller 800 g de porc maigre haché. Puis on met de l'eau chaude à chauffer. Puis on pèse 40 g de champignons noirs émincés spécial NEM. Voilà le cochon bien grillé des deux côtés. Ensuite, il vous faut 395 g de carottes râpées. Quand l'eau bout, on y met les champignons. On attend 7 minutes hors du feu. Depuis, on épluche, on lave, on épépine, on râpe 390 g de courgettes. Après, on égoutte les champignons. Ensuite, on effeuille un chou chinois pour pas que ça s'abîme. Quand on émince au robot coupe avec le plus gros, il vous en faut 385 g. Ensuite, j'ai fait au robot avec le cutter, mais au mini robot, mais vaut mieux le faire dans le sec ou dans un torchon. Moi, j'ai un peu de poudre là, ça va pas. Enfin bon, j'en ai 200 g de noisettes concassées. Ensuite, il vous faut des pousses de ergomongo, 320 g. Tant qu'à faire, maintenant qu'il est sel, on met le cochon, les 800 g là, grillés, avec le plus gros des éminceurs. Ensuite, il vous faut ça là. Et elles sont coupées, c'est super pratique dans les magasins chinois. Il vous en faut 350 g. Ensuite, on réunit tout dans une grande casserole. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la taille. Il y a 24 de hauteur et 33 en diamètre. J'ai mis 3 verres d'eau, je pense que ça va suffire. On mélange bien, on met le couvercle, puis le feu. On remue régulièrement. On goûte par la cuisson. On l'arrêtera quand les carottes seront cuites ou croquantes. Vous pouvez rajouter de l'eau pour que la cuisson soit uniforme. Quand il n'y a plus d'eau au fond, et verre par verre. Alors quand c'est cuit, on le pèse. Donc j'ai 3 kg 370 g de farce à NEM. On met le plat dans un bac d'eau froide. Un quart d'heure, puis au frigo. Avant de le mettre au frigo, on mélange bien, on change l'eau du baquet. On laisse refroidir. Faut que ça soit tiède quand on met au frigo. Pendant que ça refroidit, on va saler, poivrer, mélanger, goûter, recommencer si nécessaire. En n'oubliant pas que la sauce Duckman est quand même bien salée. Puis on les met au frigo. Attention, surtout pas de couvercle avant demain. Voilà pour ma Nukman. J'ai fait 4 fois la recette. Je pense que ça suffira. Alors, pour faire un joli NEM, il faut 180 g de garniture. Je fais ça dans des feuilles de briques. On plie les deux côtés. En les roulant, on serre bien en écrasant la farce. Après, dans une poêle à crêpes sans huile. Le côté où ça se ferme en dessous pour que ça reste fermé après que c'est grillé. Alors, 2 par personne, ça suffira. On fait griller des 4 côtés. On tourne d'un quart à chaque fois. Pour conserver les feuilles de brique entamées, on les met au frigo à plat, bien à plat. On chasse tout l'air en appuyant. Il y a aussi ça là, l'ouverture. On la fait passer dessous là pour que ça soit bien fermé hermétiquement. On ne les grille que au moment de servir, sinon ça croustillera pas. Et voilà, bon appétit!